Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4, chers amis. Donc, il y a un truc là-bas dans l'eau. C'est un fond-jeu? C'est un fond-jeu. Ok. Oula, un fond-jeu un peu buggé. Hop, boum. Une minute. T'as entendu quelque chose? Boum. 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 Je te vois. Oh, raté. Touché. Merde. Touché. Bon. Je vois un gros Mr. Andy là-bas, du coup on va y aller. C'est très très bizarre. Hein. Il y aurait clairement une ville, hein, soyons honnêtes. Hein. Ça m'intrigue. Alors, alors. General Atomics. Ah bah oui, carrément, d'accord. Bonjour. Bienvenue à la General Atomics Galleria. Vous devez être notre nouveau superviseur. Oula. Votre superviseur. Pardon. Vous attendez votre superviseur? Malheureusement, oui. Si vous voyez ce lambin, dites-lui qu'il était censé prendre son service il y a 210 ans. Il doit se rendre immédiatement au bureau du directeur, dans la statue, pour recevoir son affectation. En D'accord. attendant, je crains que la Galleria ne soit fermée au public. Mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. Ok, donc est-ce que je peux rentrer? Quelqu'un était vraiment super fier d'avoir fabriqué tous ces robots. Ok, allons voir. Hein. Je peux rentrer sans me faire attaquer, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais ça a l'air sympa ici! Ouh! Mais c'est génial! C'est bon, Vermeer. Avancez. Doucement. Ok. Alors, chers amis, moi j'en profite avant de lancer dans le discours là, pour dire que je ferai peut-être une pause entre l'épisode 99 et l'épisode 100, pour que vous ayez le temps de me donner une idée normale, une idée possible, une idée faisable pour l'épisode 100. Vous m'avez dit de lâcher 10 000 mini-nukes sur Good Neighbor, ou sur notre... Enfin, sur n'importe quelle ville. Vous foutez pas de ma gueule, chers amis, je vous demande un truc possible. C'est pas... Le but, c'est pas de faire exploser ma tour, hein. C'est pas ça, hein. C'est de s'amuser, hein, de faire un truc fun. C'est pour ça que je te demande un défi, à la base. Hein. Enfin bon, voilà. Je vous rappelle que vous devez et vous allez me donner un défi. Oh, mot de passe. Cool. Hello. Plus un geste. Comptez sur moi. J'ai surveillé votre approche. Impressionnant, très impressionnant. Pour une petite frappe. Au rappeur, pas une petite frappe. Je suis pas une petite frappe. Je suis pas une petite frappe. Alors vous êtes quoi? Casseur? Mercenaire? Communiste? Communiste! La grande réouverture? Vous êtes 18 Alpha, le superviseur de la grande réouverture? Vous êtes en retard. La grande réouverture. Bon, écoutez, le protocole de la grande réouverture distribuera des mises à niveau à tous les employés. D'accord. Et réouvrira la Galleria. L'autorisation manuelle de la grande réouverture nécessite une authentification. Donc, j'ai besoin de votre badge. Je préfère... Alors, montrer info. Tenez. Analyse en cours. Analyse en cours. Erreur du programme d'analyse. Identification acceptée provisoirement. Accès au protocole en cours. Ah, la grande ouverture. Traitement des mises à jour du micro-logiciel. Ok, je suis un gros baragouineur quand même. Hein. Rétablissement des inhibiteurs de combat. Quoi? Et s'ils se battent pas? Superviseur du centre. Terminé. La General Atomics Galleria est désormais ouverte au public. Ok. J'ai réquisitionné de l'approvisionnement auprès du QG. Il va falloir qu'on tienne jusqu'à ce que ça arrive. Ce sera tout, soldat. Rompez. Ok, attends, il y a un PC là.
Alors, lifestyle. Ça y est. Oh, du premier coup. La galerie est actuellement ouverte, le système de gestion du directeur est actif, le superviseur du centre est présent. Erreur signalée par Zero Boutique, Stamina est conçu pour servir de commande manuelle prioritaire au superviseur dans l'éventualité d'un problème de dysfonctionnement d'une panne du système de gestion directeur, SGD. Le système de gestion directeur fonctionne normalement, les commandes d'urgence ont été désactivées. On dirait un petit peu un petit côté Tron en fait. C'est comment il s'appelait le maître. Le maître quelque chose principal, le MCP. Le maître contrôleur principal, c'est ça non? Dans le premier Tron. Dans le premier, bien sûr. Oh la vache, c'est lent. Oh la gueule. J'imagine que c'est pour éviter que les robots, justement. Boum. Parce que comme ils sont propulsés, en fait. Techniquement, ils sont. Bien le bonjour. Entrez. Bonjour. Oh, il s'appelle Mocha. Bienvenue chez Slocum's Joe. Slocum's Joe. Je vous propose un bon café bien chaud. Oh. C'est la maison qui régale. T'as une fuite de gaz dans ton café. Oui. Non merci. Très bien. Non mais ah merde. À bientôt alors. J'ai mis non. Merde, je voulais un café moi. Voulez-vous un bon café bien chaud? Ah volontiers. D'accord. Mais bien sûr, servez-vous. Suite à des problèmes de responsabilité, notre établissement est désormais en self-service. Ah oh, c'est bête. Je te remercie. Mais le pauvre il fait quelque chose avec la table, je sais pas encore quoi. Oh la vache. Il y a du gaz dans ton machin, je te dis. Techniquement, t'es pas censé voler. Tasse à café. Non, moi j'aurais une tasse de café. Je vais dans le fion. Bon, c'est pas grave. Allez. Have a nuke. Hello. Bienvenue à la boulangerie Pinelli. Je m'appelle Miette. Oh putain, il est heureux de s'appeler Miette. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Vous êtes dans une boulangerie. Il se fout de ma gueule. Mauvaise journée. Profitez-vous aussi des avantages du programme de personnalité numéro 37. Désespoir existentiel. En achetant votre propre robot General Atomics. N'attendez pas. Alors, vous voulez quelque chose? Oh le pauvre. Oh putain, le programme numéro 37. Ah bah dis donc, t'as du... Ah ouais. Ah, il semblait meilleur au niveau du nom. Merde. Par contre, il a de l'eau quand même. Et boule de gomme. Ouais, eh ben dis donc. Elle pue cette ville quand même. Hein. What? C'est pas un truc là-bas? Non, c'est un caillou bizarre. C'est quoi ça? Attendez. C'est quoi ça? Un avion? Un avion, apparemment. J'ai vu un truc bouger, par contre, tout à l'heure. Je pense que vous aussi. Étrange. Ok. Le Maidens. Oh, voilà, il y a eu de la casse au niveau des robots. Merde. Le champion. On peut pas le réparer celui-là, je voudrais le prendre avec moi. Yo. Danny. Vous avez besoin de quelque chose? Que vendez-vous? Qu'est-ce que vous vendez? Tout ce dont le corps a besoin. Nourriture saine, vitamines, équipement d'exercice. Vous trouverez tout chez Madden. Enfin, normalement. En attendant la prochaine livraison, nous n'avons plus que des vitamines. Des vitamines? Vous voulez jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que t'appelles des vitamines? Vous avez là. Voilà notre sélection. Ouais, je m'en doutais, c'est pas vraiment ce que j'appelle des vitamines. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Danny pourra vous aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Bah écoute, j'ai accès à tout. Hein. Ok, bizarre. Ok, c'est bon. Joli. Si on a accès à ça, terminal du bureau de Maidens. Génial, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Have. Get. Ok. Ça peut pas être get, ça peut pas être din, pardon. Ça peut pas être rain. Ça peut être loud. C'est pas loud.
Ça pourrait être Lost. Est-ce que je tente? Ça pourrait être Souls aussi. Ah, c'est Lost ou Souls? Si je me trompe pas. Alors, on va aller voir ça tout de suite, une fois qu'on aura récupéré notre chance. Alors, où est-ce que le... Viens voir papa! Viens voir papa! Oh non, me dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. T'es sérieux? T'es sérieux? Allez, Lost! Putain, c'était Souls. Fais chier. Hop, vous n'avez plus accès à ce terminal. Oui, bah pendant 10 secondes, hein, c'est bon. Kate! Ah non, c'est... Oh, merde. Il y a un truc qui vient d'exploser. Deux trucs. Mais putain, mais ça explose pas loin de chez nous. Mac. On va les fumer. Mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonne visite. Merci. Bon, bah j'ai buté quelqu'un. J'espère que c'était pas quelqu'un d'important. Terminal du bureau, donc on y retourne. Corn. Ah. Ah ah ah. L'eau. Joli. Voilà. Promotion actuelle. Commencer la promotion du gérant, d'accord. Promotion actuelle d'entreprise. Terminé. Une remise de 25% de promotion du gérant est maintenant en vigueur. Ok. Je vais quand même aller lire la note du programmeur, je sais pas pourquoi je la sens mal. C'est ridicule, je sais que les dispositions sont l'accord de la franchise, mais le gagnant est entièrement géré par des robots, il n'y a pas de gérant pour que cacher du temps de production pour une fonctionnalité qui ne sera jamais utilisée. Et ben voilà, elle est utilisée. Mon cher Isaac, elle est finalement utilisée. Alors, la suite. Ben moi, il y aurait eu de l'action. Un tout petit peu d'action. Je passe par là, hein. Formidable. Vous arrivez juste à temps pour la démonstration du jour. Ah bon? Par ici, je vous prie. Je te suis. Pipiri, 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 pipiri. General Atomix, le leader mondial du marché de la robotique. D'une grande fiabilité, notre gamme de robots Mr. Andy vous libérera à vie de toutes les tâches domestiques. Ils sont pas en forme, tes robots. Qu'il s'agisse de s'occuper des enfants, de faire les courses ou d'assurer le divertissement de la maison. Est-ce que je lui dis? Aucune tâche ne rebute Mr. Andy. Nos modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. Eh, je vois ça. Si vous entretenez bien votre Mr. Andy, ah, vous le garderez toute votre vie. Bah... Merci de regarder attentivement la démonstration. Ok. General Atomix est fier de proposer à ses clients militaires la gamme Mr. Gutsy, qui est équipée de matériel militaire dernier cri. Voilà qui conclut notre démonstration d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je te remercie. Non, je les démonte, c'est rien, t'inquiète pas, hein, tu remarqueras presque rien. Et il est encore, dis donc. Ah bah non, c'est que des pièces détachées là. Porte déverrouillée, expert. Bon bah écoute. Là. Ah bla, bah tu veux bien t'ouvrir? Allez, c'est bon. Ouais. Ouais. Je m'attendais à mieux, je l'avoue. Porte déverrouillée expert, on va essayer la deuxième. Que se cache-t-il à la porte numéro 2? Mais tu veux bien t'ouvrir? Mais pute. Mais. Depuis quand j'en chie? Depuis qu'il Jean a un cul, bien sûr. Génial. Oh, c'était juste ça. Ok. Bah je ressors. Je vais pas ouvrir le truc là, parce que j'ai la flemme. J'ai envie de visiter cette ville. Oh. Mais à quoi ça vous sert de...
Autoserveur, d'accord. Mister Andy cuisinier, donc lui il vendra de la bouffe à mon avis. Alors. Back Alley Bowling. Là ça peut être intéressant là-dedans. On va jouer avec des boules. Oh. Bienvenue au Back Alley Bowling. Je crains que nos pistes ne soient pas disponibles aujourd'hui. Mais faites donc un tour si vous le souhaitez. Je vous oh, mais trop aimable. Visite. Merci. Strike qui s'appelle en plus. Par contre, la radio va me faire chier. Je vous en Split. Prie, jetez donc un œil. Ok. Oh, piste. Il y a encore plein de... Ok, donc voilà leur zone de stand. Un coffre déverrouillé, avancé. Voyons voir. Bla, mais j'en casse un paquet aujourd'hui, hein. Appelé, voilà. Ça y est. The Stylish Ring, pourquoi pas. Je peux Allez, tout prendre ici. Arrête de te la péter. Oh, mais oh, hein, j'ai du talent. J'ai le droit d'en profiter. Qui est là? Qui me regarde en fait? Qui m'a vu? Lui. Bienvenue au bac à l'époque. Encore Strike? Oh, General Atomic Galeria, d'accord, ok. Je pense qu'on ressortira par là, chers amis. Porte. Oh. Les backstage. Terminal du superviseur de la... Ah, oh. Génial. Mot de passe requis. Ah, voilà, d'accord. Directive de terrain. C'est un mail contenant des informations confidentielles réservées au superviseur de la General Atomic Galeria, comme au règlement d'entreprise. Ce terminal doit être verrouillé à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé. Directive de terrain. La Galeria a été conçue pour montrer l'étendue de la diversité de la gamme robot General Atomics International. GAI est servi de modèle pour notre concept de centre commercial robotisé. La Galeria est équipée de robots spécialisés haute performance conçus pour fonctionner de manière autonome sous la supervision du système de gestion directeur de GAI, donc de General Atomics International. La loi fédérale exige la présence d'un superviseur humain sur site, vous. Toutefois, toute action ou intervention de votre part est interdite car elle interfère avec les objectifs opérationnels de la Galeria. Vous devez donc rester dans votre bureau, sauf notification contraire. Alors, pourquoi j'ai m'a fait sortir? J'aime pas ça. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Journal des communications. Le service de relations clients a bien été vos inquiétudes que vous stipulez dans vos récents comptes rendus. Toutefois, vos narrations constituent une variable imprévisible dont les programmes d'origine des robots ne peuvent tenir compte. Et elles pourraient être responsables des échecs de comportement en cascade en question. De plus, votre rôle dans ces incidents pourrait exposer GAI à de nouvelles responsabilités juridiques. Nous vous rappelons que le directeur de la Galeria est le seul à être habilité à assurer les fonctions de supervision. Veuillez vous abstenir de tout nouveau contact avec le robot et les clients. Au vu des récents événements, vous disposez de l'autorisation d'aider le directeur dans l'identification des robots en dysfonctionnement et de contrôler l'efficacité de tout effort visant à réparer leur programme. En cas de nouvel accident mortel, vous disposez de l'autorisation de proposer au nom de GAI un dédommagement financier immédiat aux éventuels survivants. Consultez le barème de dédommagement 14J. Pourquoi pas? Ah, mot de passe de prise de contrôle du USGD, d'accord. Avec prise d'effet immédiate, la galerie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Vous devez informer le directeur superviseur de la fermeture complète et immédiate du centre de son personnel. Si vous pensez que le directeur est compromis, vous pouvez le désactiver et vous servir du terminal de commande du SGD dans son bureau pour déclencher la fermeture matérielle d'urgence et de toute la Galeria. Le mot de passe du terminal est GAI-GAL-4. D'accord. Monsieur Kincaid, à votre arrivée au centre, rendez-vous au bureau du directeur dans la stature. Identifiez-vous comme superviseur de la grande ouverture 18 Alpha. Présentez votre badge et donnez ordre au directeur de lancer le protocole de la grande ouverture. Cette procédure déclenchera une série de mises à jour du micro-logiciel qui devrait résoudre le problème d'échec en cascade et rétablir le bon fonctionnement des robots. De plus, la plus grande prudence est de mise. Nous pensons que le directeur lui-même est compromis et qu'il pourrait être responsable de la mort de votre prédécesseur. Ah, ça m'aurait presque pas étonné de le voir tout de suite là. Quelqu'un est passé ici récemment, mais il n'y a aucune trace dans la poussière. Et c'est des robots, ils volent, ils laissent pas de. Enfin, si, normalement, ici, la poussière devrait se barrer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, une canette. Je croyais que c'était autre chose. Alors, continuons la descente, hein. Oula. Je suis désolé, monsieur, les pistes sont fermées. Nous ne sommes pas ouverts au public aujourd'hui. Si tu le dis. Une bonne journée à la Galeria. Merde, j'ai pris un truc que je voulais pas prendre. Alors vraiment, il va falloir que j'aille me vider les bourses. Eh oui, vous avez bien compris, chers amis, hein, vider les bourses.
Ok, bon. Donc ça, c'est le mécanisme des pistes. Pourquoi pas. Donc là, nous sommes au bout des pistes. Ok, là, je comprends. Ok. Summer Short. Kate. Oula, Kate, ça va pas, là. Kate, t'es pas en forme, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Kate? Kate, qu'est-ce qui t'arrive? T'es... C'est... Oh la vache, tu fais peur quand même. Hein. Ça sent encore la cigarette et la bière formatée. Hey. Ok, ça me fait plaisir de te prendre. De te tenir quelques trucs. Ah d'accord. Ok, j'ai... Ok. Mes tenues, j'ai juste envie de voir ce que ça va donner. Hein. Ah, Kate n'est pas rien transporté de plus. Je te prends ça 2 secondes. Hop. Kate... Quoi? Ok, c'est atrocement moche. Hey. Ouais. Non mais Kate, tu peux... Kate, non, tu vas te rhabiller comme il faut. Pas vrai, trésor? Oula, mais on va se calmer aussi. Hein. Urban Wanderer Outfit. Bah non, merde, c'est ça que je voulais que t'équipes. Voilà, merci. Par contre, j'ai de la merde sur moi du coup. Tu fais chier. Alors. Parce qu'elle m'a donné de la merde, cette conne. Ok. Ok. C'est bon. Oh, cachette. C'était une cachette. Bon. C'est intéressant. Alors. Alors. On a fait ce bâtiment. Est-ce que là on l'a pas fait? Fallon's Department Store, d'accord. Fallon's, c'est pas le truc qu'on a fait il y a pas longtemps. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Oh, bah écoute, avec plaisir. Médaillon en argent, montre à gousset, mais dis donc, mais c'est qu'on se refuse à rien. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Que vendez-vous? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Pas grand-chose, j'en ai peur. Nos fournisseurs sont extrêmement en retard et la plupart des appareils ont rouillé. Mais je peux vous proposer des bijoux, des vêtements et quelques articles ménagers. Oh, c'est gentil. Oh, ils sont géniaux. Bonne journée. Vous voyez, il faut pas grand-chose. Hein. Faut un petit peu de gentillesse et ça change tout. Oh là là. Oh, puis il a tout. Hein. Il a vraiment de tout, hein, chers amis. J'aime cet homme. Il y a même des trous. Chez lui. Mais qui fait le ménage dans un endroit pareil? Bah, ils sont pas nombreux hein, non plus. Ok. Pourquoi pas? Bon. Alors, ce bâtiment. Il y a une porte là. Porte déverrouillée novice. What? J'ai pas fait cette porte là. De l'autre côté, je veux dire. Hop. C'est bon. Bah, si. Mais non, je t'ai pas vu, toi. Pudding. Pudding. C'est des puddings. Qu'est-ce que j'ai pris comme arme là? Ah oui, oh c'est intéressant. C'est un choix intéressant. Ok, donc j'ai fait tous les bâtiments. On va remonter voir le trou du cul là. Il semblerait que vous soyez compromis. Ouverture du sas. Merci. Ah, c'est dur d'être le boss. Je suis occupé, soldat. Rompez. Non. Tous les systèmes fonctionnent de façon optimale. Tous les systèmes fonctionnent. Ok, bon bah il veut rien dire. Ok, ok, bah écoutez, c'est une ville et c'est génial. Hein. Je sais pas ce qu'il y a comme quête là-dedans, mais. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup quoi. Surtout ça. Je m'attendais à avoir plus de robots balèzes. Genre le robot sentinelle par exemple. Mais je pense qu'on y reviendra. Tiens par exemple, une des choses que vous pourriez me demander, c'est de me balader avec Mr. Andy, notre Mr. Andy à nous. Ça pourrait toujours être cool. Alors l'autre côté... Qu'est-ce que... C'est des vagues?
C'est juste ça, c'est ça. Ouais, il y a des mouches bouffies aussi. Wow, 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 wow. Où est-ce qu'elles sont les autres? Quoi? Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Putain, c'est eux? Non, je veux pas ça. Pas ça. Touché. Touché. Bah alors? Ah putain, ma souris. Venez vous battre, bande de connards. Allez. Bah alors? Ça fait mal? Mon dieu. Tous vous crevez. Oh non, tu vas pas m'échapper. What? J'ai cru que c'était un bonhomme. What? Raté. Touché. Touché. What? Des survivants. C'est pas la bonne arme. Meurs. Ok, t'es toute seule. Du calme, camarade. Merde. T'es toute seule. Je vais devoir te demander de sortir de ton armure. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Qu'est-ce que... Non. J'ai abattu le novice? Hop les. Tu bouges pas. Tu ne feras rien. Alors. On va peut-être remettre des points là-dedans. Je vais voir ce que ça donne quand on a... Wow. Hop. Il me suit. Quoi? Ouais, ça doit faire mal, comme tu dis. Je t'ai laissé la vie sauve. Munition, capsule. Si tu trouves quelque chose, on partage, hein. Putain, encore. Hop, les deux, un. T'es tout seul, camarade. Alors. Je prends les plaques. Alors. Putain! Ok, il y en avait un deuxième, normalement, mais je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai pas pensé à le fouiller, fais chier. Ils sont nombreux les vertiptères par là, ils viennent d'où? Il y a une base? What? Une station d'épuration d'eau? Sans jeu! Allez, Kate! Allez, frappe! Frappe, ma grande! Boum! Ça, c'est beau, ça! Boum! Allez, frappe! Boum! C'est bon, ça! Je t'aide! Hop, voilà! C'est mieux comme ça! Sur le net, t'as clairement pris ton temps! Hein. Bon! Bon, bon, bon! Ouais. Il y a un robot! Ah non, c'est un fond-jeu. Changeons d'arme. Ou par exemple, vous pouvez dire, me donner des conseils, par exemple, sur le type d'armement que vous voulez que je prenne dans l'épisode 100. Ok, salut. Je vais te transformer en passoire. Ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles, oh putain. Vous êtes nombreux les filles. Avec mon couteau, ça te branche. Ok, bouffe.
Bouffe le critique. C'est tout. Vous êtes nombreux les filles, hein. Ah! Dégagé! Je crois que j'entends un vertiptère! Vertiptère! Qu'est-ce que ça fait de se faire réclamer par une fille? C'est pas les filles qui me dérangent le plus! Un petit tête à tête avec mon couteau, ça te branche? Qu'est-ce que. Oula, je l'ai raté. On se calme, tête de nœud. On se calme, tête de nœud. Merde, je suis con, je l'ai abattu. Hop. Putain. Ok, voulez-vous la mettre comme ça? J'ai pile l'arme qu'il vous faut. Putain. Bah alors. Bah alors. T'as des envies de suicide, toi. Qu'est-ce que. Ça va chier des bulles. Boum. Vas-y, vas-y, vas-y. Boum. Oui. Ça c'est beau ça, chers amis. Level up. Bah écoutez, je pense qu'on va mettre un point dans la pacification des gens. On va voir ce que ça va donner. Alors donner des ordres, je trouvais pas ça très logique. Vous voyez, vous pouvez l'inciter à attaquer, lui donner un ordre, lui donner des ordres précis. Écoutez, bon, on va mettre un point déjà dedans. On verra bien la suite. Ok. Bon, on va aller voir la zone quand même, parce que putain. Terminal de la station de surveillance. Surveillance de quoi? Ah bah de la ville, je suis con. Ah non, la qualité de l'eau. D'accord, qualité de l'eau, elle doit pas être top. Hein. Extrême, extrême en radioactif, extrême en métaux lourds, extrême en déchets donc fécaux, modéré en oxygène dissous, extrême en autres contaminants. État général dangereux, voire les alertes, à la concentration de contaminants trop élevée pour la tolérance des capteurs, libretti de nombreux contaminants détectés, tout contact avec cette eau peut nuire à la santé humaine. Oui, on s'en doute, hein. Ok. Ah, me faites chier, toi, faut que je déverrouille tout le temps. Tiens, non, vous savez quoi? Kate! T'es où? Kate? Hey. Qu'est-ce que tu veux? Ah, merde. Vous pensez pouvoir déverrouiller ça? Oula. Faut que tu rentres. Kate? Attention. Faites ce que vous pouvez. Merci, Kate. C'est sympa. Bah alors? C'est mieux rangé que ma piole à la fosse. Attention. Tu veux quoi? Peux-tu... Ah, nia. J'ai besoin de vos talents. Ok, bah va te faire foutre, Kate. Ah, si, c'est bon. Oh là, elle a mis carrément mille nez dedans. Tu peux me remercier quand tu veux. J'en ai ma claque de marcher. Oui, tu m'étonnes. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans faire trop lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens. Et n'oubliez pas de commenter pour me donner ce que... Enfin, pour me dire ce que vous souhaitez que je fasse dans le 100ème épisode. Hop, et hop.